un paysage où l'architecture joue un rôle quand même très très important. Et puis comme ça tu pourras voir les images que j'ai faites qui sont que je peux difficilement te montrer parce qu'il fait trop clair, il y a trop de lumière et on voit rien sur le petit écran, tu vois. Oui, non, mais là, il faut que ce matin, là, il faut que je reste. Oui, oui, t'as un énorme travail, hein, là, t'es vraiment sur la brèche. Hein. Tu es là, tu es arrivé il y a longtemps? Oui. Ça a fait longtemps que tu es là, alors. Moi je suis passé, mais je sais pas si... Non, je suis rentré avant. Parce que je me suis levé vers 5 heures et je suis parti faire un tour du jardin. Mais finalement, j'ai pas fait le tour entier. Non, je suis passé par. Je suis rentré chez moi au bout d'une demi-heure. Parce que j'ai une fracture au pied, alors au pied gauche, et c'est pas drôle de marcher avec, y compris de filmer. Hein. Boum. Qu'est-ce que c'est beau, César, c'est magnifique. Donc il faut mettre en œuvre cette solution-là de Russie jusqu'à l'Oural dans l'Union européenne, dans la Confédération de l'Union européenne, avec l'Ukraine. Comme ça, d'anciens ennemis deviennent amis et ils arrêtent de rechercher des jeunes pour les envoyer à la mort, hein, et en faire des handicapés ensuite pendant des années. Ça n'a aucun intérêt. Ces jeunes valent beaucoup plus que ce qu'on est en train de dépenser pour faire des armes qui risquent de faire mal à des jeunes ou des jeunes filles ou faire d'une jeune femme une personne orpheline de son mari mort à la guerre. Ça suffit, hein, d'accord, et on règle tous les problèmes ensuite par écrit grâce au logiciel Word et en se mettant en forum, chacun amenant son grain de sel, c'est-à-dire un paramètre pour qu'on puisse régler le problème d'une façon civilisée au lieu de le régler de cette manière stupide de croire qu'il faut participer à un effort de guerre. Ça suffit, hein, d'accord ?